Alors salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc ce sera la première vidéo de 2024 du coup. Donc du coup je vais me faire une petite présentation parce qu'en fait j'ai remarqué que je ne me présentais jamais. Donc moi je m'appelle Elliot, j'ai 23 ans. Voilà, si j'ai une voix de fille c'est normal, c'est parce que je suis transgenre. Et j'ai un bébé prévu pour le mois d'avril, voilà tout simplement. Donc c'est parti, voilà. Du coup, on va commencer par le commencement. Donc ce sera un petit mois pour moi. Enfin un petit correct, mais... De toute façon, pour l'instant, je suis chez mes parents, donc ça ne gêne pas vraiment. Et si vous entendez du bruit, courir, des jouets lancés, c'est mes chats. Voilà. Il ne faut pas chercher, elles sont un peu folles, mais elles sont mignonnes. Donc, on va commencer tout de suite. Hop. Donc, déjà, j'ai décidé que même si c'était un petit mois, j'allais mettre 10 euros dans les livrets. Donc, livret A, on sera à 10 euros du coup. Parce que oui, j'ai été à zéro. Voilà. Et livret jeune, on sera à 20 euros. Donc j'ai mis 10 euros, mais on sera à 20 euros du coup. Voilà. Hop. Qu'on est à 20 euros. Donc c'est en début de mois que je note ça. Qu'ensuite, on va passer sur la page de janvier. Donc du coup, il y aura 40 euros en alimentation, 80 en essence. Mais ce sera en carte bancaire, voilà, sur mon compte Boursorama. Et 40 euros pour les chats. Voilà, rien en loisirs et divers. Du coup, ça fait 160. Eh, je suis encore fort en pâte. Hein. Donc là, on va barrer du coup. Voilà. Et là, forcément, on va rien dépenser. Oups, et c'est tout bah, pour le moment. Voilà. Bien sûr, il y a eu les 50 euros sur mon assurance vie et les 20 euros sur chaque enfant. Donc là, c'est mon premier enfant que j'attends, mais je mets 20 euros pour ma soeur, 20 euros pour mon frère, pour ceux qui ne savent pas. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi pour les défis. Du coup, pour les défis. Mince, comment ça s'appelle? Les défis. Voilà, les défis du mois. J'ai décidé que j'allais faire comme ça, que j'allais vider à la fin d'année du coup, ou au trimestre, ou au semestre. Donc du coup, de base j'avais fait le numéro 7 de l'univers d'Angeline, mais finalement du coup j'ai mis 10 euros de plus, donc là il y a 40. Et j'ai fait le calendrier de l'Avent de Céline, mes économies et défis. Et je vais vous montrer après ce que je compte faire pour cette semaine, voilà. Enfin pour cette semaine, pour ce mois-ci. Hein. Oups. On va déjà remplir les enveloppes. Du coup, ça va être très rapide. Hop. Ça va être 40 euros dans l'alimentation et 40 euros pour les chats. Hop. Bon, j'arrête de dire hop. Avant, c'était voilà. Sinon, c'était donc. Et puis là, maintenant, c'est hop. Non, mais... Sérieusement, on a des tics de langage. C'est un truc de dingue. Mon petit frère de 6 ans, c'est genre. Tout le temps, il dit genre. D'ailleurs, si vous avez des enfants ou des petits dans votre entourage, n'hésitez pas à me dire les petits mots qu'ils disent tout le temps. Qu'on entend mes chats courir, mais bon. Hop. Et voilà, je redis hop. C'est pas possible. Donc, il y en a qui vont me dire 40 euros dans l'alimentation, c'est pas beaucoup. Mais c'est parce que actuellement, je suis chez mes parents. Là, je triche un peu. J'ai ma maison, mais elle est pas finie. Elle est presque finie d'ailleurs. Voilà, il reste la chambre de bébé. Et du carrelage dans la salle de bain. Et c'est tout. J'ai hâte d'y être quand même. Parce que bon, j'aime bien habiter chez moi quand même. Hop. J'ai failli casser mon enveloppe. On va éviter. Donc ça, c'est tout bon. Et du coup, l'épargne, on va mettre 20 euros pour l'Ivaï. Donc l'Ivaï, c'est mon futur bébé. Donc, en fait, je veux y ouvrir un. C'est un PE. En fait, je sais que PE, ça veut dire plan épargne entreprise, mais là, c'est plan épargne enfant multi-support, exactement. C'est la même chose que j'ai ouvert pour mon frère et ma soeur. Mais puisqu'elle n'est pas née, ben, je ne peux pas l'ouvrir pour l'instant, donc je le mets en espèces. Et on verra. Donc, elle a son petit classeur. Du coup, ça, j'ai décidé que je vais les mettre dans le fonds d'urgence. Je me suis dit que ça ferait toujours ça. Même si c'est que 10 euros, bah au moins on n'est plus à zéro, on est à 10 euros. C'est mieux que zéro.
J'aurais dû les plastifier, ces trackers-là. J'en ai encore plein en plus. 01. Bon, on va mettre 1er janvier. En vrai, on est le 7. On est le 6, le 7. Le 5. Je crois qu'on est vendredi 5, un truc comme ça. Dépôt, plus 10 euros. Qu'on est à 10 euros. Et du coup, là, c'est mon avance pour janvier l'année prochaine. Vétérinaire, on est à 20 euros. Du coup, merci à la personne qui m'a dit du coup que ça dépendait des vétérinaires. Donc effectivement, j'ai rien payé pour le contrôle. Et les filles vont très bien pour la stérilisation. Et Noël, il y a déjà 20 euros. Voilà. Et du coup, je voulais vous montrer ça. Donc là, j'ai bien remis les 10 euros dans... à la bonne place. Là, bah vous savez quoi? Je pense que je vais changer dans alimentation, je vais prendre des pièces. Et du coup, défi du mois, j'ai pris ceux de mes économies défi, donc de Céline. Donc je ferai peut-être pas les trois, hein. Voilà. Donc le petit jeu est sympa, je trouve. Mais peut-être que le petit jeu, du coup, je garderai celui-là pour toute l'année, je sais pas. Ou si je me lâche, je changerai. On va dire que ça va dépendre des défis qu'elle va sortir. Et du coup, je ferai pareil. Donc si je peux en faire un entier, ce sera déjà pas mal, je trouve. Donc là, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y avait rien. Ça, il y a toujours 3 euros. Ça, on avait mis les 1 euro. Défi des saisons, on a 3 euros. Il va falloir que je lui mette un peu quand même. My Little Défi, on est à 12 euros. Il va falloir que j'échange aussi. Et ça, on est à 20 euros. C'est même pas à jour. Vous savez quoi? On va mettre décembre. Parce que je sais plus quand j'ai mis. J'en étais à 20 euros. Ah oui, j'ai besoin d'une pièce. On va prendre une pièce là. Ce qu'on va gratter, la première enveloppe du Made with Love de Emily Budget. Pour savoir combien on va devoir mettre. Eh ben, 20 euros! Ça veut dire qu'il faut que je mette dans le défi de Céline. Je vais remettre la pièce avant d'oublier. Que je mette 20 euros là-dedans. Après, si je ne l'ai pas fini ce mois-ci, c'est pas très grave. Le mois prochain devrait être mieux. Faut que je mette là-dedans. Faut que je mette ma carte à gratter donc de 10 euros. Vous savez quoi d'ailleurs? Je vais la mettre là. Parce que je ne sais pas où la ranger. Donc, on va la ranger là en attendant. Hop. Et puis il va falloir que je mette un peu dans la carte des filles, tout ça. Ça fait beaucoup d'argent à mettre, hein. Mais bon, je suis pauvre ce mois-ci. Je rigole, bien sûr. Il y a pire que moi. Ah oui, et du coup, ça c'est pas à jour. Bah, du coup, je vais pas colorier pour l'instant puisque c'est des cases à 30 euros. Donc je colorierai une case quand on sera à 30 euros. Voilà. Donc du coup, ça va être tout pour la vidéo. Donc moi, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!